Alors, je peux monter le son si vous y tenez, mais je pense pas que ce soit dans les choses délicates que vous ayez trop envie d'avoir. Bienvenue, il est 19h, nouveau stream quotidien de The Big Gimowski. Et aujourd'hui, on va s'extirper de 2018, car je n'ai pas assez semé de chaos dans le cosmos, Je n'ai pas assez éliminé de monstres de l'espace, Et je vais baisser le son. Oui, à la fin du stream, je remonterai le son éventuellement et je vous ferai une version karaoké exceptionnelle du grand morceau que vous connaissez. Salut à toi, Philippe. Et donc, aujourd'hui, on va retourner en 1993 pour essayer un petit shmup de chez Taito, pas très très connu apparemment, puisqu'il a complètement échappé à ma vigilance. Il s'appelle Ryujin, je crois. Les images en régie, s'il vous plaît. Taito, c'est bien, Taito, c'est beau, regardez-moi ça. Ah, il y a de la couleur, hein. Un tir chargé, apparemment. Et une bombasse, que du classique, deux boutons, ça m'ira. Je prends le lot. Et une musique assez étrange, quand même. Ryujin, je ne m'étais pas trompé. Eh ben, on y go. Oui, je vais mettre les crédits lentement, parce que maintenant, ça va me garantir les 5 minutes obligatoires de stream pour présenter les jeux. Et, si je vais trop vite, ça fait des secondes que j'aurai pas si j'arrive à 4 minutes 50 et que le jeu est vraiment complètement pourri. Oui, souvent, je cherche un moyen de m'échapper. C'est ce qu'on appelle du courage dissimulé, hein, de manière tout à fait courante. Il est bien, celui-là. Piou ! Ah oui, ça vaut le coup de charger, les gars. Bah, je vais me les faire cuire au tir chargé, tu vois. Parce que mon piou 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 là, je veux pas dire, je voudrais pas commencer à me plaindre surtout. Mais je crois que je les fais marrer les mecs en face. Les mecs en face ils rigolent, ils font. Non mais toi tu. Ah, je suis big. Je suis leb. Non, je suis game. Je suis au ski. Mais quel concours de circonstances incroyables. Pourquoi fallait-il que ça tombe aujourd'hui dans ce jeu à cet endroit-là, pile au moment où j'enregistre? Alors, quoi on dire? Bah, 93, le truc est pile dans sa période, hein, donc il fait pas tâche au milieu des autres productions. Au demeurant, il est jouable, il a l'air même un poil facile, hein, je m'engagerai à dire. Parce que là, niveau bonus, soit je vais tomber sur un gros super bad qui tire avant même de changer de position, soit il va m'arriver quelque chose de pire encore. J'ai essayé ma super bombe, hein, j'avais trop envie. Ah, attends, j'étais pas prêt. Je voulais me démanger, j'avais le nez qui démangeait. Oui, bah non, ça tue vite. Non. Non. Même pas une pause pour souffler, un petit récap de score. Ah oui, c'était pas encore trop la mode à cette époque-là. Fallait attendre encore un petit peu que les gens sortent de leur grotte. Oui, allusion facile. Alors, bon, qu'en dire de plus? Moi, je persiste à le trouver fastoche, hein, même s'il commence à... Et puis, vous connaissez mon dicton, c'est au troisième niveau qu'on voit ce qu'il a vraiment dans le coffre, un shoot. Mais, ça va, c'est... Vu qu'il n'y a pas trop d'originalité dans les patterns, ça se gère pas trop mal, hein, comme vous pouvez voir. Monsieur généreux en bonus, en plus de surcroît, hop, doucement du calme, hein. On n'a pas gardé les chou-fleurs ensemble. Non. Non, je vais pas rester en dessous de toi, je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas, on ne s'aime pas, personne ne s'aime. Ce n'est pas le stream de l'amour. Et l'amour n'est pas dans le ciel. You're beautiful. You're beautiful. Enfin, c'est le but d'esprit, mon gars. Tu vas pas tarder à prendre une bombe, si tu veux pas. Ben voilà, pas tant. Tu es vilain, tu es exterminé. Tu n'as plus qu'à te rendre, à retourner au garage, te faire une nouvelle armure. Très enthousiasmant ce jeu en tout cas, parce qu'il est rigolo. Et puis les graphismes sont variés, mine de rien, ils se sont enlevés les œillères. C'est pas le bon mot, ouais, c'est pas grave. Et c'est rigolo parce que sur les patterns, j'irais presque à dire, on dirait un pré Mushi-Mesama. Oui, alors là, les gens ils vont faire ah, mais monsieur, tiens, tu es fou, il faut pas dire ça. Mais si, regardez, c'est vachement biologique, insectoïde derrière.
Je m'en fous, je suis invisible, c'est fini. Hop, hop, hop. Et ouais, et observez les patterns. Il y en a deux, trois petits, ils sont rigolos. Et ils sont tout à fait comme eux. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on les retrouve partout. Hein. Pas que dans Mushi et ce titre. Ouais, je me suis peut-être emballé. Ouais, je persiste, je vais lancer une légende, un hoax, une fake info. Allez, qui c'est qui me check sur les commentaires? Ce jeu contient... Enfin, l'équipe qui a développé ce jeu a des membres qui ont ensuite développé Mushime Sama. Regardez-moi ça, c'est pas un hasard s'il y a, y a un tel gros insecte. Ne me faites pas dire le contraire. Et en plus, je joue comme un dieu, donc ça veut dire que c'est les mêmes patterns. Là, je commence à monter du gros. Ah, j'ai passé tous mes crédits d'un nerd. Et je repars où? Bah, il est bien ce vaisseau. Ah, mais je repars surtout avec pas un gros tir. C'est mon gros malheur, grosse malheur. C'est peut-être là que le bas va blesser. Parce que vous connaissez ma tendance à ne pas trop apprécier les jeux qui vous font repartir à poil. Et du coup, ben, un passage qu'on passait correctement. On se tape toutes les suées du monde pour arriver à taper dedans. Allez, tiens, j'ai craqué parce que j'en pouvais plus. J'ai craqué parce que j'en pouvais plus. Quelle heureuse. The Big Gamos qui est lâché, attention, cachez-vous, bande de petites choses gluantes et méchantes et pleines de... Pourquoi d'abord? De toute façon, c'est du dedans, non, c'est du Mushima, Mushima, ça va. Regardez, ça se voit, j'insiste. Je continue mon hoax, hein, j'avais commencé à développer le truc, il est pas mal. Pourquoi il me donne autant de vie? C'est super étrange. Ah oui, il se rappelle peut-être que j'étais ridicule devant le boss. Le faire à la bombe, lui. De toute façon, en général, les insectes qui piquent, on se les fait à la bombe, c'est connu. Elle était très facile, oui, je sais, mais je... Mettez-vous à ma place, je pouvais pas la rater, celle-là. Et puis, j'ai un niveau d'entertainment à entretenir dans le stream, sinon les gens décrochent. Regardez, si toutes les 10 minutes, je ne dis pas une énormité, tout le monde fout le camp. Ah, j'ai plus de bombes! Ça, c'est pas une énormité, c'est la situation actuelle, et c'est dramatique. Bon, bombe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le one-up n'ira pas bien plus loin, puisque je n'ai pas de bombe, mon ami. Mets-moi en big, mets-moi en bombe. Ouh, la vilaine grosse gnagnée. Non, mais bon, ça, je le trouve super valable. Oh, que c'est vicieux, ça. Oh, que c'est vilain. Ah oui, non, mais pas directement dessous, monsieur, tu ne peux pas. Où va-t-il me faire redémarrer? C'est la grosse surprise, et c'est ce qui va définir si on arrête ce stream. 8 minutes, on est bon. Du début du niveau. Et oui, parce qu'il faut te refaire ton armement, mon petit. Vite, 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 zaï, zaï, zaï. Je me donne du courage. Prends ton bonus, ça va mieux se passer. Pète-lui la gueule, allô, qu'il a un bonus en coffre. Oh, c'est moucheron, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a comme mouche ici? Oui, aïe, oui, aïe. Oui, bah, petite perte de courage, là. Et oui, il m'a énervé, je deviens pas bon. On va arrêter ici, hein, pour ce Ryujin. Est-il le sélectionné? Oui, 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 oui. Bah, regardez-moi ça, 1993. Faut aimer le pixel qui a un peu de tendance vintage, hein. C'est-à-dire qu'il encombre l'écran, si vous le mettez en haute résolution, vous allez voir un timbre poste, vu qu'on est en 320 et des poussières, je présume. Mais le truc est super jouable, il se renouvelle de niveau en niveau, il a cette riche idée. Niveau jouabilité, bah, il n'y a rien à redire, c'est parfaitement jouable, quoi. Deux secondes, on comprend le jeu, troisième seconde, on est déjà dedans en train de se bastonner. Donc oui, si votre passion c'est les boulettes, essayez-le. Il précède toute la génération en fait des shooters modernes qu'on connaît, qui ont été mis en place depuis 95-2000 quoi. Ryujin, on t'aime, merci Taito, et à bientôt. Moi je vous dis aussi à bientôt, et je vous laisse, comme d'habitude, sur les deux vidéos recommandables, enfin les deux playlists recommandables de la chaîne, c'est-à-dire la généraliste et celle des shmup. Et là, bah, bonne humeur, et donc je vous offre un stream bonus. Des bisous, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao.
J'aurais jamais dû faire ce film.